Yahoo, on dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, ouverture de colis. Alors là, ça va être un colis commande, et à savoir que la vidéo va être assez rapide. Donc, j'ai commandé sur le site animstore.fr, si je dis pas de bêtises. Toujours est-il, à savoir que ce site, je le connaissais déjà, mais j'avais un petit peu oublié son existence, et puis j'avais pas besoin de passer par ce site pour mes achats avant. Et, alors... un ou une abonnée, je sais plus si c'était un garçon ou une fille, enfin bon, un abonné on va dire, m'en avait parlé par rapport au anime hentai en me conseillant 2-3 titres et en me disant bah tu peux les acheter là-bas. Et en allant sur le site, je suis tombée mardi pour moi. Alors moi là, le jour où je filme, on est vendredi 20 et j'ai acheté ça mardi après-midi. Mais pas trop tard non plus, hein, vraiment quand je dis après-midi, c'est pas genre le soir à 18h et quelques, j'étais... dans les horaires de l'école de ma maman, donc ça devait être entre 14h et 16h30, en gros. Et donc, en allant sur le site, je vois qu'il y avait des promos par rapport à Noël, et j'ai vu qu'il y avait un animé que j'avais vu au tout début, quand j'avais commencé à regarder des animés, j'avais surkiffé la série, je m'étais bouffé l'intégralité en 2-2, et j'avais vraiment surkiffé l'univers, surkiffé les personnages, etc. Je sais que voilà, j'en ai un très très bon souvenir. Et en fait, le coffret de base, enfin l'intégralité, c'était donc 2 saisons plus des OAV. Donc on avait 3 coffrets en fait. Et l'intégralité était à peu près à 50€, je crois. Et là, je les ai payés un tout petit peu moins de 20€. C'était 19,95€, un truc comme ça. Et il y avait donc les frais de port, bien sûr, mais ils n'étaient pas très chers. Je crois qu'ils étaient qu'à 2€. Je veux pas dire de bêtises, je te mets tout ça à côté de moi si je retrouve. Mais c'était pas très cher. Et comme j'avais fait une... j'avais eu une réduction sur le site de Shibi Akihabara, parce que j'ai recommandé une figurine que tu verras très rapidement. Les prochains jours. Donc j'avais eu une réduction et en fait la réduction est allée sur... c'est à peu près le même montant qui allait sur les frais de port. Parce qu'on peut se faire livrer soit Mondial Relais, soit directement chez soi comme pas mal de choses. Et Mondial Relais c'était pas pratique parce qu'il n'y avait pas le mien que j'utilise tout le temps. Il y avait un autre et ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc comme tu peux le voir, j'ai commandé mardi après-midi, on est vendredi, donc ça a vraiment respecté les délais qu'ils avaient annoncés au niveau de la commande. Voilà à quoi ressemble le carton, c'est le même genre de carton qu'utilise IDP slash Hot Manga. Donc voilà, c'est juste une constatation ça, c'est emballé, voilà. On a le coffret, enfin l'intégralité et la facture, donc je vais voir si j'ai les prix même du port ou pas. Alors ça m'a coûté 16,63€, je croyais que c'était 19, bon, bah ça m'a coûté 16,63€, j'ai les 2 séries plus les 2 OAV en coffret, et j'ai eu pour les frais de port 2,90€, donc en fait il y avait 1€ de plus de frais de port. Mondial Relais c'était 1,90€ et 2,90€ c'était donc pour livrer à la maison, et j'avais fait une économie de 1,50€ via Shibi Akihabara. Donc, on a quand même une bonne protection et... oh, génial! Donc, c'est le manga School Rumble. Je crois que ça se prononce comme ça. Je voudrais juste voir s'il y a l'année de création. J'ai pas l'air d'avoir. Enfin, c'est un vieux animé. Donc, je compte, bien entendu, t'en parler en vidéo, te faire une vidéo par saison, etc. Voilà. Et j'ai pris par contre moi en fait qui est la langue française et la langue japonaise et sous-titré français. J'ai pris voilà que je puisse avoir la flemme certains jours si j'ai envie et tout ça. Je sais plus si j'avais vu mon en sous-titré ou en version VF. Je crois pas hein, c'était en version VF mais bon. Il y a des moments où j'ai vraiment la flemme et donc je me permets d'avoir la possibilité. À quoi ça ressemble vite fait. Et donc le édition Gold, c'est donc les OAV, Movie Collection. Ouais, les OAV, c'est ça. Et même les OAV sont OK. Non, parce que j'avais peur que par exemple ça soit pas disponible dans les deux formats au niveau des langues.
Voilà. Je n'ouvre pas plus. Hein, je n'ouvre pas pour te montrer l'intérieur, etc. Parce que ça, je ferai vraiment une vidéo spéciale de toute façon sur la saison 1 et une vidéo sur la saison 2. Et Zoavé, j'en parlerai lors d'une des deux vidéos. Je ne sais pas trop quand il faut les regarder exactement. Je me rends. Avant de terminer cette vidéo, je tenais juste à préciser un petit détail. Ce coffret DVD, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Oui, il faut des fois savoir se faire des cadeaux à soi-même au lieu de penser tout le temps aux autres. Il faut aussi penser des fois à sa gueule et à se faire plaisir. Je rigole, mais c'est juste que je sais qu'au niveau de ma famille, je risque pas d'avoir des trucs qui me plaisent réellement. Donc, j'ai préféré me faire un cadeau moi-même. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Si jamais tu as déjà testé ce site, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire. Si tu le recommandes, si tu le recommandes pas. Et si tu le recommandes pas, n'hésite pas à nous expliquer surtout le pourquoi. Et donc moi je referai sûrement une commande assez rapidement parce que j'ai quelques DVD animés hentai à acheter. Parce que justement on m'avait conseillé 2-3 animés et j'ai pas pensé à les prendre avec au niveau de la commande. Et que j'ai aussi envie de tester le site pour voir vraiment ce qu'il vaut, pas avec une seule vidéo. Je considère pas qu'un seul test soit une généralité au niveau d'un avis sur un site. Voilà, sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!